Ici, dans ce stade, où ça pourrait être un rien différent, mais tous ces joueurs ont assez d'expérience. Je pense qu'il y a un Luke Linton Mata, puisqu'il n'a plus été titulaire en championnat depuis le 8 octobre. 1-3, cette élimination là aussi en coupe pour les Louvainis. Rock Platings. Devant Valentine Kodjokaru, toujours titulaire du côté de Louvain. Avec Simon Mignolet qui a ressorti la casquette, ça c'est un signe. Et il faut faire attention aussi à ne pas leur laisser trop d'espace en reconversion. Hein. Ouais, mais là les joueurs laissent pas ressortir. Kodjokaru prend des risques. Et de nouveau, Federico Rica relance. Le Nord encore, un petit peu sous pression. Et on s'en sort bien techniquement avec. Pas mal de troncs qui s'étaient présentés et qui avaient fait un sprint d'une cinquantaine de mètres. Là, on verra ça, il y avait des solutions. Et là, il y a eu la volonté tout de suite. Hein. Dès que le ballon était récupéré, chercher le dos de la défense, prendre cette profondeur. Mendil derrière avec Federico Rica. Partir. Il va falloir trouver les connexions dans le milieu de terrain pour Louvain. Vous l'avez précisé il y a quelques temps. Un petit peu téléphoné, ouais, Mathieu Martens. Sur ce deuxième ballon, c'est important. Van Aken qui cherche une solution, le dégagement avec la pas de faute, la passe à l'entrée du rectangle avec la frappe. Olivier, il n'y a pas de petit ouais. Ou de grand hors-jeu. Et Louvain qui essaie de repartir à nouveau et ses difficultés de trouver les solutions. Chaque année à Noël, vous avez les informations évidemment à l'écran. Ferranjougla justement, la fin de frappe, le petit ballon vers Van Aken, la combinaison à l'entrée du rectangle. Une défense un petit peu basse, il n'y a personne devant cette défense. Et Van Aken l'avait très... Jougla, et avec l'intervention de Kodjokaru, c'est pas fini Meyer maintenant, contré. Et la direction brugeoise voulait le résultat, mais aussi la manière. Un club de Bruges qui n'est pas convaincu. Exceptionnel, non. Mais voilà, il y a eu quelques ballons qui ont traîné là, dans ce grand rectangle. Il y a eu une ou l'autre possibilité. C'est pas illogique malgré tout. Ouais, combiné le centre au premier avec Jougla qui avait coupé la trajectoire. Terminé avec pas un fini. Ballon qui traîne. Oh là là, c'est brouillon. Oui, c'est brouillon. Et ça va surtout sortir en coup de poing. C'est déjà ça pour le Néerlandais. Il a préféré ne pas prendre de risques. Rica. Kodjokaru. Non, le crochet avec la face dans le rectangle, le Jougla, ouais, pas mal joué, pas mal défendu de la part de Federico Rica. Ouais, les 8 derniers matchs, il y a eu 16 buts encaissés hein, pour le club de Bruges, 2 clean sheets seulement, donc ça donne cette action. Le premier contact ouais. Avec le ballon est parfait. Après, j'ai envie de dire aussi ce comportement entre guillemets des supporters. Olivier, c'est la rançon de la gloire pour le club de Bruges. On a des ambitions, il faut commencer à les assumer aussi. Nielsen, à l'entrée du rectangle, c'est Rica qui dégage ce ballon. On voit quasi cette ligne de 4 là sur le front de Gonzalez. Et puis, on peut même ajouter Mathieu Martens hein, qui va venir se promener. Ouais, qui va être là juste derrière. De son staff par rapport au manque de pressing, j'ai l'impression de ses joueurs. Il disait en première mi-temps, il veut un football dominant, mais il veut surtout que son équipe continue à presser. Ça, c'est pas mal pour récupérer ce ballon haut avec Jougla qui est parti et qui ouais, un petit peu tardé. Un quart d'heure, c'est ce qu'il reste dans ce match. Ouais, dans les duels, on voit la stat. Hein, c'est... Ok, pas mal. Ouais, bien touché. Enfin, bien touché. C'est pas cadré, mais il s'est bien jeté en tout cas, Rica. Le Soa et le retour d'Altamari. Bien défendu aussi par le joueur. C'est Mendil aussi hein, qui avait bien effectué le boulot défensif ouais. Là pour freiner l'attaquant brugeois. Rica. Du Canan au centre avec l'intervention de Rica. Le ballon dévié. C'est pas propre. C'est pas propre. Mais franchement. Au plus on avance, au plus on se rapproche de la fin de ce match, au plus on peut commencer à tirer des conclusions définitives. Et clairement, même si la victoire est au bout pour le club de Bruges, les Blauw en Zorg qui assurent la pelouse, franchement, ça va être un peu ouais. Tout ou rien hein, finalement pour le Louvain, parce que où le club de Bruges réussit un peu sûr. Et ceux qui sont là sont orientés vers l'offensive.
bail en tribune présidentielle. Djougla probablement, non, c'est contré. D'inciter et oui, mais personne qui accompagne. Il n'y avait pas énormément de possibilités. Donc il a eu raison d'attendre. Il temporise un petit peu, qui attend, qui cherche des solutions. Par Buchanan, Rica. Champion avec le club de Bruges, Rica. Rappelons-le. Changement d'aile. C'est pas mal, Verratta. Mais Monsieur Put va-t-il laisser du temps? Eh bien non, c'est terminé. Un partout.